Nous débaillons les 27. 27 jodia, d'après nouvellement plan, dans 19 millions, nous avons déposé 10 millions. Ça veut dire, vous avez pas de temps, vous avez 19 millions depuis 20 ans. Nous avons samedi, avant le carnaval, pas de temps, monsieur, pas de nous bien. Depuis nous pas payé, premièrement, je vais mettre des parce que quand on a dit ça, on ne peut pas mettre des slades. Nous, même si je nous pas payé, nous ne allez dit, je vais mettre des slades, ça ne peut pas. Deuxième membre le directeur général, ça ne pas dire. Je dis, bam, depuis que nous pas payé, nous ne pas payé, nous retirer nos nègres, nous mettre nos. Je dis, comment président? Je dis, ça veut tout à l'eau même. Ça veut dire, al, dans 15 jours, dans 20 ans, nous avons touché 19 millions. Dans 15 jours, nous avons touché 10 millions. Il y a 10 millions de comptes. Et nous profitons de l'occasion pour me dire, monsieur, je ne suis pas fâché avec nous. Nous ne sommes pas là avec 10 millions. L'essentiel, si cela, pas oublier, si nous ne portons pas la licence qui nous a nous, on a coupé. Ça veut dire que nous avons perdu la licence. Assurez-nous, restons dans un modèle. Pour nous assurer, nous, parce que moi-même, je viens dans le prince, je viens travailler. Je viens travailler pour les gens qui ont le bon pouvoir. Le viseur, le presse en ligne, je remercie nous pour la présence aujourd'hui. Nous venons en couverture dans un moment spécial qui est les affaires sécurité du pays, qui est le plus gros. Concerne que le pays a gagné aujourd'hui. Avant de commencer, je vais présenter condoléances. Et condoléances à tout l'État, à la famille, directeur de prison civile, Kwadé Boukaya, inspecteur Paul Joseph Hector, et dernière victime, nous avons date, ce médecin qui est tombé en bas de l'assassin, bandit. En dans le pays, nous profitons de l'occasion pour nous voir sympathie, nous, by famille, médecin. Nous profitons pour nous féliciter les policiers dans le commissariat, Lester, avec accompagnement et collaboration de la population qui est arrivée, freinée. Zach qui était sorti pour le fait dans la zone après l'Ester, parce que c'est l'Ester action arrivée. Nous connaissons dans la base, il y a un gros chef bandit qui était sauvé dans la prison qui est tombé. Nous voyons un gros coup de chapeau par les policiers et demander au directeur général là, pour le capable toujours motiver ce type d'action dans le sens positif, les arrivés. Insécurité, kidnapping, ça, c'est l'État qui a un problème en premier parce que il y a une stabilité politique. Bagage n'est pas bon pour le peuple. Et pas bon pour l'économie du pays. Ça veut dire qu'il n'est pas bon pour personne. C'est pour ça que nous dans l'État, c'est gourmet contre kidnapping et insécurité pour que la population vive en paix. Nous sommes fait gros rencontre ça après CSPN qui était fait hier soir. Et il y a des décisions que nous prenons. Il y a des décisions que nous connaissons que nous ne sommes pas capables de dire devant la presse. Mais il y a des décisions que nous ne parlons pas de là. Tant coup, décision qui prend pour que l'instruction baille. Nous avons fait kidnapping, non, parce que kidnapping n'est pas jamais fait pour le parrain, Ça veut dire que le kidnapping a fait, il y a toujours des auteurs intellectuels derrière. C'est pour ça que nous prenons décision pour que UCREF, ULCC, ministère des Finances, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettez-vous ensemble
pour nous commencer à suivre le mouvement au sérieux de l'argent avec bon gens d'outils légaux qui ont fait dans le système financier. Parce que gan pile information que nous gagnons, mais nous voulons avant nous arriver dans les affaires qui sont, mais faut nous gagnons preuve et bon gens preuve. C'est pour ça que nous demandons toute institution pour commencer le travail et chef CSPN, premier ministre là, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bouge en preuve sous des allégations, des informations que nous avons. Nous rencontrons tout, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour fait particulièrement dans Port Saint-Marc, dans le port Cap-Haïtien, dans le port Lafito, ce côté plus d'âmes et munitions passées entrer en un pays. Et sous même aspect ça à tout, nous demandons au premier ministre pour presser le rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous question ça, pour être qui plus bon coup de main que nous avons parce que munitions avec un pile dans les âmes, ils sont dans des conteneurs de faits personnels qui sont aux États-Unis, qui entrent en Haïti. Pour nous, qui plus bon contrôle que nous avons mis, pour les gens, si c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis pour nous avoir une possibilité pour nous capables de faire entrer, ça veut dire déporter pour nous-mêmes, pour nous avoir une plus jeune dans le pays. Et si c'est des étrangers qui sont, pour nous, qui plus bon manière, deux pays qui ont mis tête ensemble pour nous arriver à joindre. Bon, j'ai une solution parce que j'en nous connais là. C'est pas Zamio avec munitions. Ce n'est pas pour compte. Il y a le monté dans le conteneur. Il y a rentré en Haïti. Ça veut dire il y a un parrain, il y a un marin qui mène dans le conteneur. Et pour le conteneur, ça arrive dans le pays. L'autre décision nous prend, même j'en nous connais pour les affaires coronavirus, là, nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement gagner une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire que la police annonce nous que nous avons gagné un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que le monde a bien pour nous faire. On croit qu'il y a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire pour permettre que au monde qui a des informations sous affaire de sécurité, ça veut dire qu'on va arriver devant ou elle, il faut nous suspendre dans affaire G-Web Bouche PA. C'est G-Web Bouche Palais. Et le ça, nous avons toujours qu'un anonymat, nous n'avons pas besoin qu'on ait qui monde. C'est justement c'est une collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lit, nous parler de lit, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que grand pile compagnie sécurité qui importait munitions avec Zama Fedou dans le pays. Nous croyons que un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour exactement qui quantité, qui type de armes que compagnie ont importé, qui côté yon, qui est-ce qui observe avec yon, et qui quantité munitions tout pour nous comparer entre pour nous quantité munitions que vous commandez avec utilisation yon, pour nous garder est-ce que ça est soutenable. On croit que premier ministre là, qui est chef CSPN l'a gagné pour le faire. Pour demander la police pour faire travail ça. Et faut ne pas oublier que kidnapping dans tout, à chaque moment qu'on kidnapping qui fait, ça crée un émoi dans niveau population. C'est sous émotion mon yo qui au travail. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que l'heure qu'on kidnapping qui fait pour nous demander population pour l'accompagner nous parce que l'heure yo barré route pour être un kidnapping. C'est compliqué, il y a compliqué problème.
c'est pas résoudre que résoudre. Ça veut dire accompagnement pour la population, l'important qui va permettre que, en temps réel, automatiquement que le kidnapping en fait, nous-mêmes, nous capables de connaître et laisser la collaboration population, c'est lui-même qui pour nous, ça n'a pas cherché. Maintenant, pour les affaires auteurs intellectuels kidnapping, pas oublier, nous te songé dans l'année 2013-2014, comment kidnapping, t'a dit depuis 2011, comment kidnapping t'a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation t'est faite et puis kidnapping n'a campé. Et nous songeons dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping n'a jusqu'en 2017, kidnapping n'a pas zéro. Ça veut dire, pour une raison ou pour l'autre, disons, là nous parlons de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons à connaître une grosse vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019 pour arriver dans le moment où nous parlons là. C'est pour dire nous que kidnapping n'a un autre objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique tout. C'est pour ça que nous prenons disposition pour que bon gens contrôlent mettre à tous les niveaux dans l'État pour nous capables arriver faire face à la situation insécurité ça. Parce que insécurité a il n'est pas bon pour personne. Nous-mêmes, nous avons dirigé le pays. Si l'insécurité, ça, il n'est pas de problème, ce n'est pas notre activité, ça, nous avons matin, nous avons l'autre. Et nous profiter, féliciter le comportement démocratique. Tout le monde qui était dans la manifestation hier, qui aidait la police à faire le travail. D'ailleurs, je encourage tout le monde qui a l'idée pour ta. Manifestants dans le pays, après toujours qu'il y a même comportement non violent ça, qui baille la police possibilité pour sécuriser vie à bien réellement. Parce que craser briser, ce n'est pas un bagage qui bon, ce n'est pas un bagage qui capable non monde qui manifester pacifiquement. Nous avons travaillé et nous avons pile effort qui a fait. Non niveau police là forme de décision finale que nous prend décision pour nous mettre yon cellule anti kidnapping rapidement pour renforcer cellule anti kidnapping dans DCPJ. Mais c'est pas moun k'ap saute dehors k'ap bin dans cellule ça forme nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire son synergique pour créer entre toute entité qui dans l'état déjà. M'vle parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, nous voulons parler de ministère intérieur, nous voulons parler de toute l'autre entité qui travaille dans les affaires renseignement et intelligence dans le pays pour nous mettre tête ensemble sous leadership directeur général police là, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires kidnapping là. Pour les affaires équipement yo, faut dire que nous dans la phase finale pour nous recevoir des équipements qui permettent que la police avec DCPJ travaille pour dans temps réel nous capables de gagner bonne information sur toutes actes kidnapping qui a fait en dans le pays. Et décision encore que nous prenons décision pour que au niveau la police il y ait bonne contrôle interne qui mette. Et directeur général police qui confirme que le commencé d'ailleurs, et ceci depuis plus de deux mois, avec contrôle interne ça, qui permet confiance que la population doit gagner dans la police, il renforcer. Et nouvelle confiance ça, il commence à renforcer, qui pour permettre que la police là, jodi a, il va faire travail comme ça doit. Ça veut dire dans toute institution, publique comme privée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des ordres. Mais les gens qui font des ordres, ils ne sont pas campés garder. Par exemple, dans la police, il y a l'inspection générale. Dans tout l'autre côté dans l'État, tout, les gens qui font des ordres, les gens qui font des ordres là,
il y a des entités qui là pour capable rappeler la loi. Et dans rappeler la loi, li qu'on arrive, c'est jusqu'à révocation ou même parfois emprisonnement. C'est pour me dire que nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, nous pas ménager pour nous pour nous capables de mettre le pays en sécurité. Parce que en fait, je dis, moi, en pile monde parler de problèmes d'insécurité, mais il faut me dire que le problème d'insécurité, ça, que nous vivons dans le pays aujourd'hui, il n'est pas supposé un problème côté, c'est un seul groupe qui est concerné pour porter solution. Nous-mêmes, nous ne pas nous, comme l'État, c'est travail, mais travail n'a pas travail là, nous disons que nous avons besoin d'accompagnement de tout le monde. Que le monde qui est dans l'opposition politique, que le monde qui est dans le bon pouvoir, nous avons besoin d'accompagnement de tout le monde pour nous apporter un bon genre résultat à peuple là, pour que la sécurité tourne dans le pays. Et en parlant de monde qui est dans l'opposition politique, je profite de l'occasion pour me dire tout que à chaque fois que le pays a une turbulence politique, c'est pour nous regarder à qui est-ce que la crise a profité. Il a toujours profité à bandits. Il a toujours profité à Mounio qui nageait dans des eaux troublées. Et c'est pour ça que je dis, hein, je crois que l'important pour acteurs politiques dans le pays, hein, nous capables de mettre tête nous ensemble, nous chita attendez, pour nous capables de jouer une bonne solution côté pays ça. Hein, parce que nous voulons que nous bavons, moi-même, 35 ans après que nous entrons dans l'ère démocratique là, moi crois que bagayo pas marché bien. Je prends l'exemple de Jérémy, comme de Jérémy samedi. Un magistrat dans le discours, il dit ça a 35 ans depuis que Jérémy était en courant. Après 35 ans, ça veut dire que ce n'est pas possible. C'est pour nous dire que je dis, hein, c'est pour le moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble. Pour problème commun, nous allons adresser ensemble. Nous ne pas obligés que je dis, hein, c'est l'équipe qui est sous pouvoir. On frappe. Parce que demain, c'est crasé pour nous graser, pour nous-mêmes, pour nous bon pouvoir. Non. C'est pour nous mettre tête ensemble, pour nous capables de sortir du pays. Parce que moi-même, je parle avec nous là. Moi, dans la dernière année, madame comme président, ça veut dire, année prochaine, dans l'air comme ça, c'est l'autre président qui vient dans le pays. Et là, l'autre président, ça a venu. Moi, nous-mêmes, par exemple, si le président, ça n'est pas sorti dans le même bloc politique avec nous, seul, ça m'a bien, c'est travailler avec lui pour accompagner lui. Pour expérience comme ancien président, pour venir mettre au service li, pour le mettre service par dans le service peuple. Je remercie encore tout le monde presse qui était présent. Population, m'a dit nous, qui a confiance nous dans l'autorité qui là pour mettre sécurité dans le pays, ya. La police en particulier, n'a pas travaillé pour que sécurité retourne blaye dans la famille haïtienne. Encore, collaboration nous, pas ménager li. Bay moun qui est responsable sécurité, je ne voulais parler particulièrement la police. Bonjour collaboration avec information qui a besoin, parce que nous connaissons un gros travail qui a fait, parce que sous kidnapping, nous commençons à identifier. Et je dis, proche kidnapping, nous connaissons tout le monde qui a gardé, qui a tendu, nous avons ouais. Ça veut dire, nous bataillons nous-mêmes, au niveau de l'État, pour nous mettre tout bandit, tout vagabond, hors d'état de nuire. Parce que j'aime toujours dire, la vie en bandit, il coûte. Ça veut dire, il n'est pas durer trop longtemps. L'on choisit, c'est métier ça pour faire. Son métier qui fait partie très jeune, qui faut prendre pension très jeune. Et pension, brun, tout le monde connaît l'on bandit pour pension qui va aller. Ça veut dire, je dis, nous ne pouvons pas arriver, parce que au bandit, que ou c'est un citoyen normal ou c'est haïtien. Ça veut dire aujourd'hui, le que nous-mêmes, au niveau de l'État, nous dit non, ça veut dire nous-mêmes qui bandit, si vous ne pouvez pas comprendre que l'État dit non, le ça, l'État, c'est faut comprendre qu'il dit non. Merci un peu.